Chers internautes, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission de la capsule du Lombard. Après celle du mois dernier où nous avons pu échanger avec Dimitri Armand et David Tacot, eh bien, c'est le duo d'auteurs de la série L que nous accueillons pour ce nouveau rendez-vous mensuel et convivial. Nous souhaitons donc la bienvenue à Kit Toussaint et Aveline Stockart. Bonsoir. Salut. Voilà. Donc, nous vous invitons à vous installer confortablement pour nous suivre, pourquoi pas si le cas vous en dit, vous servir un lait fraise ou une menthe à l'eau pendant que nous discutons. Selon le principe de l'émission, eh bien vous allez pouvoir gagner de jolis cadeaux puisque Aveline dédicacera deux albums du tome 1 de Elle et vous aurez donc la possibilité de les gagner en participant à notre petite version de jouer c'est gagné qui sera fait que nous déclencherons en fin d'émission où Kid eh bien essaye de vous faire deviner quelque chose en dessinant avec sa bonne main et Aveline essaiera de vous faire deviner quelque chose en dessinant avec sa mauvaise main et le plus rapide eh bien remportera le lot. Voilà. Alors avant de commencer je vais un petit peu vous présenter. Galanterie naturelle m'oblige eh bien Aveline on va commencer par toi. Alors le monde du 9e art avant elle eh bien ne te connaissait pas du tout et pourtant un grand talent était présent en toi puisque très rapidement après des études d'infographie à finalité animation 3D eh bien ce sont après bien sûr travail au niveau autodidacte qui vont être publiés sur les réseaux sociaux et qui vont faire que tu seras contacté par DreamWorks et Netflix pour faire du développement visuel. Par la suite, eh bien, tu te retrouves avec Kid pour faire Elle, qui est ta toute première bande dessinée. Alors, c'est une production qui est assez surprenante parce qu'elle dénote d'une très grande maturité graphique. Et bon, c'est quand même assez surprenant. Alors, il faut préciser une chose, c'est que tu es assez active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, puisque ta communauté sur ce réseau précisément atteint, avoisine les 323 000 abonnés, si je ne m'abuse. Quelque chose Voilà, comme ça. pour Aveline. Kid, en ce qui te concerne, le 9e art te connaît et plutôt bien. Alors, on ne va pas revenir sur la totalité de ta production qui est quand même assez conséquente, mais on va un petit peu balayer ton année 2021 en commençant par le mois de mars, puisque c'est le mois où Elle est parue chez le Lombard. Le même mois, il y a eu Ella et les Ice Boys chez Dracou, Enemy 1 chez Bambou Grand Angle, dont le deuxième tome est sorti au mois d'avril, et également Télémaque 4 chez Dupuis. Alors, on ne peut pas parler de toi sans citer Magic Seven, bien sûr, qui a commencé en 2016 chez Dupuis et qui aujourd'hui compte 10 tomes, le dixième tome étant paru au mois de mai de cette année. Et pour compléter le panel 2021, eh bien, on va citer également trois séries qui sont parues en début d'année chez Dupuis, Love, Love, Love pour le tome 1, le tome 1 également de Absolument Normal, et Animal Jack 4 aussi qui est sorti donc chez Dupuis. Alors un premier semestre 2021 qui est quand même assez chargé pour toi, beau beau semestre, et l'année n'est pas finie. Alors on va commencer par un petit pitch de la série Elle pour remettre tout le monde un peu dans le bain. Alors Elle, c'est le personnage de la série E2LE, c'est une jeune fille, une adolescente tout à fait charmante, pétillante, intelligente qui effectue sa rentrée dans un nouveau collège, le collège Mercury, et tout naturellement et très rapidement, elle se fait de nouveaux amis. Un groupe de copains dans lequel on peut trouver Lynn, qui est surnommée tête, enfin Linotte, parce que c'est une tête de linotte, Maëlys, qui va être la meilleure amie de elle, Otis, qui lui trouve joli tout ce qui est vaguement féminin, et enfin Farid, qui est le dandy du groupe toujours porté sur le look, sur la mode et tiré à quatre épingles. Alors l'année se déroule plutôt pas mal et par contre, un jour un peu trop chargé en émotions pour elle, eh bien tout va basculer. À ce moment-là, il y a des changements de comportement chez elle qui vont être remarqués très rapidement par ses camarades. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, elle est plusieurs, et plus précisément, elle est cinq. Voilà. Donc ça, c'est le pitch de la série. Et la première question donc, que je vais vous poser, peut-être, bien sûr, on vous l'a déjà posée, mais bon. Je vous la pose pour les internautes, de savoir comment vous avez été amenés à collaborer tous les deux, par quel biais. On va commencer par toi, Aveline, et puis Kid de compléter la réponse. Ok. Eh ben, en fait, tout simplement, Kid m'a contacté via les réseaux sociaux, via Instagram.
Et il m'a demandé si ça m'intéressait en fait de faire de la BD. Enfin, il m'avait envoyé un mail en me demandant si ça m'intéressait de faire de la BD. Et j'y avais jamais songé parce que je ne m'identifiais pas trop à ce médium-là, parce que c'est pas un style de prime abord qui m'attirait plus que ça. Et du coup, je lui ai dit ces doutes-là, et il m'a dit, non, tout ça, avec l'éditeur aussi, on en a parlé, tout ça, mon style peut totalement se prêter à la BD, à l'exercice de la BD. Et du coup, il m'a présenté un projet aussi qui m'a tout de suite beaucoup plu, parce que ça parlait justement de choses qui me tenaient à cœur à ce moment-là. Tout ce qui est assez introspection, se demander la place qu'on occupe dans le monde en tant qu'individu, les émotions qu'on peut traverser, j'avais vraiment envie de travailler les émotions. Et du coup, la rencontre avec Kid a fait en sorte que tout ça se lie très spontanément, très naturellement. Et du coup, on s'est rencontrés, on a parlé du projet et on a vu que ça matchait très vite au niveau des envies et du projet, quoi. Voilà, en gros. Et bon, il y a eu peut-être aussi, je pense qu'il y a eu un double contact aussi, puisqu'au même moment, je crois que tu as été contacté aussi par les éditions de Mars, ça s'est fait à peu près en même temps. Oui, c'est ça, en fait, à peu près en même temps et sans qu'ils se soient concertés, finalement. Il y a Mathias, donc l'éditeur au Lombard, notre cher éditeur d'amour qui fait 2 mètres. Il m'avait contacté pour me poser la même question, pour me demander si la BD m'intéressait, parce que voilà, apparemment, mon style plaisait bien. Et donc, pareil, je lui ai fait part de ces doutes-là au niveau du style graphique, etc. Parce que moi, j'étais habituée à voir du Astérix, Obélix, du Tintin, du Lucky Luke, quoi, les grands classiques franco-belges. Et donc, voilà, il m'a rassurée beaucoup. Et au même moment, ouais, quelques jours après, Kid me contacte, quoi. Donc, tout s'est enchaîné très rapidement et très naturellement, assez surprenant. Alors, Kit, pourquoi tu as contacté, toi, Aveline ? Par ennui, par désespoir, par... on avait une connaissance en commun, en fait, avec Aveline, et c'est cette connaissance qui m'a montré le compte d'Aveline. Et quand j'ai vu la diversité, la richesse de tout ce qu'il y avait sur son compte Instagram, je me suis dit, ce serait con de ne pas la contacter, quoi. Et je n'avais pas un projet exactement en tête au moment où je la contacte. C'est après, en discutant, que j'ai trouvé le projet que j'avais dans mes tiroirs qui lui correspondait le mieux. Mais sur le moment, je n'avais pas eu de projet en tête au moment où je suis envoyé un email ou juste après. Mais c'est vraiment, c'est dingue parce que je ne contacte jamais des gens comme ça sans projet en tête, clairement, quoi. Là, je voulais juste discuter avec elle. Elle habite pas très loin de chez moi, donc c'était aussi simple de se rencontrer, juste de voir un peu ce qu'elle avait envie de faire et si je pouvais l'aider, l'aiguiller, voilà. Et puis finalement, si j'avais un projet pour elle, pourquoi pas. Et coup de bol, j'en avais un. Ok, alors pour revenir justement... Je t'interromps parce que c'était pas super clair ce que j'ai dit, hein, mais on a fait d'autres interviews bien meilleures. Cherchez sur Internet, ce sera plus clair au niveau de la... Ah là, tu casses tout, là, tu casses Désolé. Tout. Désolé. Alors justement, pour revenir au sujet qui est assez, assez pointu donc dans cette série, donc c'est vraiment l'adolescence. Alors selon le psychologue, psychanalyste du développement Eric Erickson, donc il qualifie cela de la cinquième phase sur 8 que l'on traverse dans le développement psychosocial et qui s'appelle la diffusion des rôles. Bon, alors on est bien en phase avec l'histoire. Alors déjà, pourquoi ce sujet et après, est-ce que tu as fait des recherches un petit peu par rapport à cela pour développer ton histoire, Aveline? vraiment que je parle de ça là? C'est pas moi qui choisis de parler de ça. Non, en fait, c'est bien plus. Ouais, ça va. Savoir pourquoi aussi, pourquoi tu es, est-ce que, bon, je sais qu'il y a une petite... Alors en soi, moi, je peux répondre quand même, il faut répondre, hein, mais c'est, en fait, ce qui m'a plu, et même si c'est à travers le prisme de l'adolescence, c'est tous les états émotionnels qu'on peut traverser en tant qu'individu, qu'on soit adolescent ou même adulte. Et c'est vrai qu'ici, on parle de dissociation, et c'est vrai que quand on est adolescent, on expérimente plusieurs rôles tout au long de notre adolescence, et je pense que c'est quelque chose que Kid a voulu mettre en scène aussi. Mais je te laisse répondre. Oui, parce que je pense qu'il y a quand même un point de départ à cette histoire qui est peut-être un point de frustration, en fait.
Ah oui, c'est le fait de ne pas être une adolescente moi-même. Ouais, il doit y avoir de ça. Mais... non, en fait, déjà, l'adolescence, c'est un sujet universel. On passe tous par l'adolescence, tous par une crise d'adolescence, plus ou moins sévère pour certains. Je crois que certains n'en sont pas ressortis, d'ailleurs. Mais ça, c'était juste une vanne gratuite. Mais voilà, mais c'était la moi, première... Comment ? J'y suis toujours. Ah oui, il y a toujours, voilà, je sais, mais moi aussi, de toute façon. Je crois que quand tu es artiste, de toute façon, tu sais que tu n'es pas sorti de ta crise d'adolescence, déjà de base. Mais à la base, le projet, il vient de Farah dans Magic 7, c'est vrai. Il vient d'un personnage que j'avais dans Magic 7 qui avait deux personnalités, de fait, et qui j'ai pas pu exploiter ça autant que j'aurais voulu dans Magic 7 parce qu'il y avait trop de choses, trop de personnages, trop d'aventures. C'était pas possible de la placer. Donc voilà, c'est le premier point de départ. Après, l'adolescence, c'est un sujet qui me plaît beaucoup parce que c'est un sujet où on est en devenir et c'est hyper intéressant. C'est là que tout se passe, en fait. C'est là que c'est le plus intéressant. Et donc voilà, donc, je n'ai pas fait de recherche sur la psychologie de l'adolescence. Je me suis juste rappelé de mon adolescence et de mes amis adolescents. Et je crois qu'au plus tu touches au personnel, au plus tu touches à l'universel. Et c'est un peu ce que j'ai fait au niveau de l'adolescence. Au niveau du trouble d'identité, c'était autre chose, mais au niveau de l'adolescence, c'est ce que j'ai fait. J'ai plongé dans mon adolescence. Et mes différentes pierres de cheveux. D'accord, on a déjà une question d'Olivier Covin qui demande s'il y a, avec elle, il y a un rapport avec Stranger Things. Alors, absolument pas. Désolé. Tu veux qu'on te laisse ? On te laisse 5 minutes pour répondre ? Non, c'est bon. Ah, et apparemment, c'est important. Comment ? Ou c'est une question encore plus importante. Allez. Il n'y a aucun rapport avec Stranger Things. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est au moins la deuxième fois, enfin pour une deuxième série qu'on parle de Stranger Things, qui est une série dont je n'ai pas vu un seul épisode en entier. J'ai vu un début d'épisode récemment, mais je n'ai pas vu un seul épisode en entier. Donc je ne connais pas du tout cette série. Et donc il n'y a aucun rapport du tout. Moi j'ai une question par rapport à cette question, du coup. Pourquoi ? Pourquoi c'est quoi la référence à Stranger Things, justement? Ah ben c'est Olivier Covin qui pose cette question-là. Moi, elle ne m'est pas venue à l'esprit. Moi, j'avais deux autres références. Je serais curieuse de savoir s'il est encore là et qu'il sait répondre dans les comments. Oh oui, il va nous... Lui, quel rapport avec lui ? Oui, tu as vu la série ? Oui. Et donc, tu vois pas de point commun Pas vraiment, non. Par le fait que c'est un peu fantastique et peut-être qu'il y a des mondes parallèles, mais c'est les mondes mentaux. Donc, ouais. Je ne sais pas trop, mais je serais curieuse de connaître le rapport qu'il fait avec l'histoire, par curiosité. On m'avait dit ça pour Magic 7 aussi, tu vois. Donc, je ne sais pas, il doit y avoir un truc, je ne sais pas, dans l'air du temps, ou je ne sais pas qui fait que c'est proche. Je sais pas. On aurait plus penser à Vice-Versa. Ouais, ça on le sent beaucoup plus souvent pour elle, ça vient systématiquement. Ouais. Là, je peux comprendre le rapport, quoi. C'est plus. C'est le crossover entre l'animation et les personnalités intérieures. Ouais, c'est ça. Les émotions, plus précisément, oui, pour vous dire ça, quoi. Ouais. Il y a le style d'Aveline et il y a les émotions. Et puis, comme il y a plusieurs couleurs aussi, je pense que c'est ça que les gens font un peu le rapport. Le nom de l'héroïne de la série s'appelle. Non, attends, c'est un peu ça. Série. Ah oui, parce que ouais, c'est question de personnalité. Apparemment, c'est parce qu'en fait, Eleven a une personnalité qui est un petit peu étrange. Ouais. Bon, bah, okay. Après, ceci dit, elle a une personnalité. Donc, oui, mais bon. Après, okay. Ça dépend. Que une des personnalités. Ouais, ok. Je sais d'accord. Maintenant. Merci pour cette réponse, Olivier. C'est bien, tu vois, Aveline, c'est toi qui poses des questions finalement. c'est une interaction. Internautes. Ah oui, c'est parfait. Alors, Kid, je suppose que tu n'as pas travaillé avec Aveline de la même manière qu'avec Tristan Joss, d'autant plus que ça doit être différent d'un album à l'autre, mais quelles contraintes, on va dire, supplémentaires tu as eues par rapport à cet album-là? C'est la différence de se travailler avec une diva, quoi. C'est un peu ça la différence. non, c'est pas vrai. En fait, chaque artiste est différent déjà, donc faut s'adapter à chaque artiste, même si j'ai mes codes et ma méthode aussi. Mais Aveline, déjà, elle est arrivée, elle a dit: oh, moi je veux pas ce format là, je veux un autre format avec plus de pages et un plus petit format. Donc voilà, il y a eu ça déjà, il y a eu le format du bouquin qui était déjà très différent. Et puis le fait qu'elle arrivait à la bande dessinée, Aveline, donc il a fallu que j'explique des choses. Après, intuitivement, instinctivement, Aveline comprenait beaucoup de choses, et c'est ce qui est merveilleux en fait avec son travail, c'est qu'elle a compris la BD
d'elle-même quasiment, plein de codes qu'elle a compris toute seule, donc c'est hyper facile. Mais par contre, oui, elle débarquait dans la BD et le format était différent. C'est les deux grosses contraintes que j'ai eues. C'était pas même des contraintes, c'est juste des différences par rapport aux autres artistes. Oui. Okay, alors, Aveline, peut-être que je vais t'inviter à commencer à dessiner si tu es OK. En même temps que je te pose une question, par contre, de ton côté, la manière de travailler, bien sûr, est différente que celle que tu as l'habitude de faire dans l'animation. Alors, comment tu as géré le changement de média? C'est-à-dire, parce qu'en soi, quand je dessine pour l'animation, je dessine de la même manière que je dessine pour la BD, en fait. Dis-moi, au niveau des contraintes, là... Ok. Ben, j'ai tout découvert. Comment j'ai géré ça? Je crois que spontanément, j'ai juste essayé de créer quelque chose de logique. Visuellement, que ça, qu'on comprenne où on va, quoi, qu'on comprenne ce qu'on regarde et ce qu'on lit. Voilà, Kid a l'air de dire que spontanément ça fonctionnait au niveau de la narration, et je pense que quelque part le fait d'être influencé par le cinéma, ça m'a fait acquérir des codes de narration, même si c'est différent en BD parce que bon, on a des cadres différents. La narration, on garde une certaine logique de cinéma, même dans la BD. Et donc, le fait de regarder beaucoup de films et d'être baigné là-dedans, je pense que spontanément, ça me fait dessiner logiquement l'histoire, en tout cas en termes de narration. Après, en termes de technique, des personnages, il a fallu que je me fasse un peu violence, parce que dessiner autant de fois le même personnage sous différents angles, c'était aussi un challenge, quoi. Le posing des personnages, que le personnage reste consistant, chaque page. Donc, je mets beaucoup de photoréférences. Pour l'instant, c'est obligé, ça m'aide énormément. Parce que j'ai pas encore la bibliothèque mentale technique qu'il faut, je dirais, pour faire ça de mémoire, quoi. Je trouve ça cool. Effectivement, ouais. Il y a des artistes qui savent le faire et j'admire ça énormément. J'en suis pas encore là, voilà. bientôt. Alors, justement, une petite remarque de Jérémy Vell qui dit que le format est peut-être un peu plus moderne. Un format à l'ancienne, style Tintin ou Schtroumpf, n'aurait peut-être pas attiré les jeunes aujourd'hui. Ah, peut-être. Bonjour, Valérie. Donc, finalement, le choix. Ouais, le choix du format est bon, quoi. Complètement, ouais. Le choix, j'ai voulu faire un choix plus petit. Tout simplement parce que les seuls BD, je dirais, romans graphiques que j'avais dans ma bibliothèque et qui me parlent beaucoup, c'était un petit format un peu comme celui qu'on a choisi pour elle. Et c'était le roman graphique, j'ai le titre en anglais, c'est The Dame Keeper, bref. Et c'était très cinématographique. Ouais, c'est très cinématographique à l'intérieur. Graffitine. Ouais. De quoi? C'est chez Graffitine. Ah! Ok. Oui, The Dame Keeper, oui. Ouais. Et j'aimais beaucoup donc le format et le découpage à l'intérieur du livre, qui était très aéré, contemplatif, cinématographique. Et c'est vraiment les codes que j'ai donnés, enfin les mots-clés que j'ai donnés à Kid pour qu'on se retrouve sur ce médium-là, quoi, sur ce format. Et c'est pour ça que lui, il parle beaucoup. Moi, j'aime la contemplation. Il a fallu qu'on trouve l'équilibre entre les deux. Ouais. D'ailleurs, The Dame Keeper, c'est une animation à l'origine, et ça a été transposé en BD. C'est ça. Je sais pas lequel a été fait en premier, si c'est l'anime ou. Je crois que c'est l'animé en premier. Ouais. Il me semble que c'est l'animé en premier. En même temps, je sais pas trop. Alors, Aveline, quel a été le point de départ de la naissance graphique de Elle? Par quoi tu as commencé pour créer ton personnage? Ah, par une sphère. Comme je fais là maintenant, qu'on ne voit rien du tout. C'est parfait. Non, on ne voit rien du tout. Bon, c'est pas grave. J'ai fait plusieurs designs de jeunes filles. Et en fait, ce qui était important à garder à l'esprit, c'était la coupe de cheveux, puisque... c'est ça qui allait montrer aux spectateurs. C'est dur de faire les deux en même temps. Parler, ça va aller.
Donc, de la coupe de cheveux, il fallait qu'elle soit distinctive, en même temps pas trop exceptionnelle, pour pas que ça fasse trop caricature, et pas un truc trop banal non plus. Je suis vite tombée sur un carré, parce que aussi le carré, ça, c'est une forme qu'on reconnaît bien en termes de silhouette. Et du coup, ça, ça a été une caractéristique importante à garder. Et puis, j'ai essayé de lui mettre des accessoires pour qu'on puisse la reconnaître, par exemple des bracelets, un collier et un grain de beauté, pour qu'on comprenne bien que même quand elle change de couleur de cheveux, c'est toujours le même personnage, quoi. Donc, j'ai essayé de trouver des petits artifices qui faisaient que, voilà, on puisse toujours identifier que c'était elle. Oui, c'est le principe avec n'importe quel... Tu peux dessiner. C'est le principe avec n'importe quel personnage principal dans une BD. Il faut qu'il soit identifiable au premier regard. Ici, on s'est lancé un défi de plus, c'est de changer sa couleur de cheveux de temps en temps. Et donc, on s'est créé un problème de luxe, mais un problème. Et donc, on a essayé pas mal de coupes de cheveux. Hein, mais finalement, le carré, c'est ce qui est le plus simple et le plus identifiable. Et en même temps, ça lui donnait déjà une attitude, quoi, une personnalité. D'accord. Il y a aussi le regard, je pense. Le regard, c'est très important. Ben, le regard, c'est venu dans mon style graphique. J'aime faire des grands yeux parce que c'est par là que je fais passer le plus d'émotions. Puis je trouve ça juste chouette à regarder, des yeux. Enfin, c'est normal, c'est par là qu'on identifie les humains. Et du coup, j'aime bien juste les mettre exagérer le regard. Voilà. Alors, c'est vrai que on a quelques petites questions qui défilent là. Si vous deviez choisir votre personnalité d'elle préférée, laquelle choisiriez-vous? Ou celle qui vous correspond le plus peut-être? Ça, c'est une question de Camille Sen. Alors, peut-être, je sais pas si, Aveline. Aveline peut dessiner pendant qu'elle réfléchit. Oui, alors, vas-y, Kid. Eh ben, celle que je préfère, c'est Chatin. C'est celle que je trouve la plus attachante et, je crois qu'en vrai, elle m'insupporterait quand même au bout d'un certain moment, mais en BD, elle me touche beaucoup, elle m'émeut beaucoup, et celle qui me ressemble le plus, à laquelle je ressemble le plus, à mon avis, ça va être Violette. C'est quelqu'un qui essaye d'être drôle et qui ne l'est pas forcément, donc à mon avis, ça me ressemble bien. Donc... Si, tu es très drôle, Kid. Non, détends-toi. Oui, la preuve. Mais Aveline, elle est plus rose. Hein. Je pense que Aveline, c'est vraiment rose. Ouais, c'est vrai. Elle est tellement équilibrée, tellement saine. Comme vous pouvez le voir sur sa main. Oui, regardez, j'ai le sol avec moi. Regardez les gens, c'est pour vous. Voilà. Parce qu'il fait dégueulasse dehors. Oui. Alors, on a Martouf Singstar qui a une question aussi pour Aveline, enfin, une multi-question, je vois. Est-ce qu'il y a des dessinatrices dont tu admires le travail? Alors, bon, je ne sais pas si par rapport au fait que je ne sais pas si tu es grande lectrice de bande dessinée. Et il donne une petite remarque, le traitement graphique m'a fait penser à Dans les yeux de l'IA de Justine Cugna et Carbone. Et oui. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, non? On est la team sans contour, nous, pour ça. Oui, en fait, on distingue vraiment ces styles-là parce qu'on n'a pas de ligne de contour dans nos dessins, tout simplement. On travaille avec les aplats de couleurs et on essaye de travailler la lumière pour supprimer les contours. Et c'est ça qui donne la même veine de style, en fait. Et les grands yeux aussi, évidemment. Donc, c'est pour ça que... Tu joues beaucoup avec la profondeur des champs, les couleurs, ce genre de choses pour justement les flouter, etc., pour justement les scènes, quoi. Ouais, Justine, comme moi, travaille aussi dans l'animation. Donc, on a les mêmes influences, je pense. Comment ? Oui, on se sert des codes de l'animation du cinéma, de manière générale. Les flous, les profondeurs de champ, c'est un code qu'on reprend du cinéma. Parce que ça... Enfin, moi, personnellement, et je pense que c'est un peu la même chose pour Justine, ça permet de faire le focus dans certaines scènes, quand on veut intensifier l'émotion ou le regard d'un personnage ou... d'avoir juste le focus sur le perso et qu'on a un flou progressif, déjà je trouve ça joli, et puis ça accentue le focus, quoi. Donc voilà, et on reprend un peu les mêmes codes. Il y a Léna Sayafoum aussi, je pense, qui fait aussi un peu du travail comme ça, très à plat de couleurs,
et jouer sur la profondeur de champ et les lumières. Alors, qui a eu l'idée de justement d'insérer dans le récit les différentes ailes, en fait, avec le changement de couleur de cheveux, etc. C'était une idée que tu as eue dès le départ pour justement un peu définir le fil rouge. Parce qu'on va dire qu'il y a quand même deux niveaux de lecture, finalement, dans ailes. On a la situation au collège et puis... La situation dans la tête de elle. Le projet existait déjà avant que je rencontre Aveline. Hein, ce projet de changement de couleur de cheveux et de changement de personnalité existait déjà. Même les mondes intérieurs existaient déjà, mais n'étaient pas très bien définis. Et en fait, avec Aveline, en rencontrant Aveline, quand j'ai vu l'étendue de son talent et de ses possibilités, je me suis dit, ça m'a donné envie de développer vachement plus les mondes intérieurs d'elle et les forteresses de solitude, comme on les appelle, où chaque personnalité se réfugie. Et on a développé ça ensemble avec Aveline, même de décider quel lieu correspondait à quelle personnalité, tout ça, on l'a décidé ensemble. En fait, c'est vraiment une collaboration à plein temps avec Aveline, même si le projet existait déjà. Il y a eu tellement d'échanges que parfois même, je ne pourrais pas te dire qui a eu l'idée de quoi. Et c'est génial, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est un ping-pong sur le développement. Ouais, en fait, puisque... Si je comprends bien, l'histoire existait, ok, mais tu... Ah ben super, on voit très bien. Ouais, là ça va. Sinon, là, on voit. Même voilà. Si le projet existait déjà, tu as quand même fait des modifications un petit peu sur le synopsis de départ, puisque le danger intérieur que peut représenter le personnage qu'on voit dès la première planche, la L bleue, disons que tu as un peu recentré peut-être l'intrigue, non ? En fait, ouais, le personnage de Bleu existait déjà aussi dans le synopsis de départ. Mais là où j'ai changé, c'est que ça devait partir plus en aventure et en enquête. Et j'ai progressivement effacé ça pour me concentrer vraiment sur le personnage de Elle et ses amis et sa vie au quotidien. J'ai voulu revenir à quelque chose de plus réaliste, en fait. Beaucoup plus réaliste. Et je ne suis pas parti, du coup, dans une grande aventure à la Magic Seven ou autre chose. Et ça, c'est aussi la rencontre à Gavin qui a donné l'impulsion vers ça, je pense. Je pense que je me suis vraiment revenu... Je suis revenu vers quelque chose de plus réaliste, ouais. Plus humain, plus réaliste. D'accord. Et en restant un petit peu, donc pour revenir un petit peu sur les mondes intérieurs dont tu parlais tout à l'heure, là, et aussi sur le choix des couleurs, il y a aussi une référence par rapport aux couleurs. Enfin, qui me semble que tu n'as pas cité, mais que tu aimes à citer par rapport à une chanson, il me semble. Ah oui, c'est vrai que en fait c'est parti d'une frustration par rapport à Farah dans Magic Seven, je le disais, mais c'est surtout deux chansons qui m'ont donné envie de le faire. C'est She's a Rainbow des Rolling Stones et Léa de Louise Attaque. C'est deux chansons que j'ai pas compris en fait du tout. C'est ça qui est génial, c'est que tu crois comprendre une chanson, donc tu pars dans un délire, et tu dis « Ah ouais, ça parle de ça, c'est super intéressant. » Et en fait, j'ai appris plus tard que pas du tout, j'avais mal compris les paroles. Mais du coup, ça m'a donné l'inspiration pour écrire autre chose. Et je parlais justement avec Kenny Ruiz, dessinateur de Télémaque et Magic Seven, le week-end dernier, qui m'expliquait que Tezuka, quand il a fait Metropolis, il avait juste vu une photo du film de Fritz Lang et rien d'autre, et qu'il s'est imaginé du coup toute une histoire qu'il a faite en manga. Et pareil pour Princesse Saphir, c'est inspiré de la bande-annonce de La Belle au Bois dormant, je crois. Et je trouve ça génial, en fait, de mal comprendre un truc et de partir sur une autre histoire complètement différente, comme quand tu lis un roman ou que tu vois un film et que le personnage secondaire t'intéresse plus que le personnage principal et que tu as envie de raconter son histoire à lui. Je trouve l'inspiration, elle vient parfois comme ça et c'est super intéressant. Enfin, c'est marrant, quoi. C'est vraiment marrant. Ouais, ça permet d'explorer des chemins auxquels on ne s'attend pas, quoi. En fait, c'est l'impulse, quoi, que t'attends tout le temps. Une question lambda qu'on reçoit souvent des journalistes, je te remercie de ne pas l'avoir posée, c'est d'où vient l'inspiration ? Et généralement, je ne sais pas répondre à ça. Tu réponds la vie pour faire le malin, mais en fait, tu ne sais pas répondre à ça. Et ben là, j'ai découvert récemment que c'est ça. C'est la vie. C'est la vie, pardon. C'est vraiment la vie. mais voilà, parfois, c'est un personnage secondaire ou c'est parfois mal comprendre quelque chose qui fait l'impulse pour l'imagination. Ah, pour le coup, ouais. Pour le coup, c'est ça, quoi. J'ai une question encore de Martouf Singstar qui demande si, de façon générale, vous travaillez en chanson ou en musique, vous écoutez de la musique pour écrire ou dessiner.
Ah, tu veux que je réponde en premier, Aveline, visiblement Non, je peux répondre. Vas-y. Moi, ça dépend vraiment si je suis, si je dois être concentrée, je suis dans le silence. Et sinon, ouais, de temps en temps, je mets un fond de musique, mais c'est, j'irais, c'est 65% de silence et le reste de musique. Donc, c'est plus en silence qu'en musique. Ah, d'accord. Après, me mettre en musique, ça m'aide aussi à me mettre dans un mood. Je sais pas si je me sens déprimée et que je dois dessiner Violette qui est ultra drôle, peut-être que mettre une musique qui m'entraîne va m'aider. C'est possible. Ouais, donc, Annie Cordy, le grand Jojo, tout ça quoi. Exactement, tu connais le par cœur, Kid. Notamment quand vous avez fait les différents mondes là, puisque bon il y a quand même, c'est assez varié, puisque il y a la cabine sur pilotis pour Rose, on a la capsule spatiale pour Violette, ce genre d'univers quoi, ça peut s'accompagner de certains morceaux quoi. Ouais, moi je fais toujours une playlist quand j'écris, mais je la mets pas en boucle. Ce qui fait qu'à un moment donné, la liste, elle s'arrête et je l'entends plus, en fait. Je suis tellement concentré que je n'entends plus du tout. Mais j'ai toujours une playlist par rapport au projet que je suis en train d'écrire. Hein. Ou bien, je mets un album entier qui correspond bien au mood. Quoi. Ok. Alors, j'ai une question encore de Big Ours. Aveline, l'animation est souvent un travail d'équipe fourni. Est-ce que travailler en binôme pour l'ensemble et seul pour le dessin est un plus, ne serait-ce qu'en liberté de créativité? Bonjour, Big Ours. dessiner en animation, ouais, c'est du travail d'équipe parce que on a une supervision. Une supervision, ça se dit ça? Enfin, bref, supervision. Dire que... Supervision, merci. Supervision. Une supervision de plusieurs rôles dans la chaîne, c'est vrai. Après, on est souvent seul. Enfin, comme je travaille en freelance, je suis souvent seule face à ma planche, de toute façon, que ce soit pour l'anime ou la BD. Mais c'est vrai qu'au niveau de la liberté de créativité, on a une chaîne beaucoup moins grande en fait dans la BD. Et surtout, c'est que c'est nous les maillons les plus importants, on va dire, sur la chaîne de création. C'est Kid et moi et Mathias, l'éditeur, qui va tempérer si jamais on fait un truc qui est complètement trop incompréhensible ou un truc qui va pas, mais en tout cas, on est très libre d'un point de vue créatif, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'hyper confortable que je préfère vachement à l'animation. J'aime toujours bien en faire, du character design, des choses comme ça, mais plus sporadiquement. Parce que déjà, gérer plusieurs projets en même temps, c'est compliqué. Et j'aime bien être à fond dans un seul projet. Surtout un projet comme la BD, il vaut mieux être à fond. Parce que si on n'est qu'à demi-mesure dedans, moi j'arrive pas à travailler comme ça. Il y en a qui arrivent à jongler entre les différents projets. Mais moi j'ai besoin d'être à fond dans un projet. Et puis une fois qu'il est fini, je peux m'extraire et retravailler sur un autre truc. Et le character design, ça va, ça dépend. Comme c'est des petites missions, je peux encore me dire, ok, ça je peux m'extraire un tout petit peu et puis revenir après dans la BD. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais je m'éloigne. Mais sinon, ouais, le confort de la création dans la BD, je suis très contente de ça. En fait, il n'y a vraiment personne au-dessus de nous réellement. On a Mathias et Camille pour la cité qui sont nos premiers lecteurs et qui vont nous dire s'il y a un truc qu'on ne comprend pas ou qui n'est pas clair ou qui est peut-être un peu touchy. Mais par contre, on décide vraiment tout du long ce qu'on fait. Et ça, c'est quand même une liberté qu'on n'a pas dans beaucoup de médiums. On est le seul maître à bord, quoi, Aveline et moi, donc... On a une super équipe autour de nous, mais au final, on raconte l'histoire qu'on veut raconter. Ça, c'est quand même extraordinaire. Très chouette. Bon, en plus, il y a quand même, je vous montrer, si, je ne sais pas si on va le voir, mais je trouve que le dossier de presse qui a été fait pour la série est quand même assez chouette, puisque c'est carrément un dépliant recto-verso qui est vraiment bien, bien foutu. Je trouve qu'il y a quand même eu un bon suivi sur la série, quoi. Tellement, le Lombard a fait vraiment du super boulot sur l'album et sur tout le suivi. Le dossier de presse dont tu parles, j'adore. Il est super élégant et il y a de la matière dedans. L'interview est assez bonne. C'est pas pour te mettre de la pression, hein, Stéphane, mais l'interview est géniale. mais tout ce qui a été fait autour est franchement chouette et on a eu le soutien du Lombard depuis le début. Et puis le soutien de tout le monde tout autour du long de la chaîne, donc on est vraiment chanceux. Et moi, j'en ai beaucoup conscience parce que voilà, ça fait un petit temps que je suis dans la BD.
Aveline, c'est sa première. J'espère que les suivantes, c'est parce qu'on s'y bien. Parce que là, on a mis la barre très haut. Le Lombard a mis la barre très haut. Ce serait bien. C'est vrai que moi, je ne me rends pas vraiment compte, même si je me rends quand même compte de la chance que j'ai, en fait. Parce que je pense que ce n'est pas évident de se lancer dans la BD. Et j'ai eu une chance énorme, je crois, de déjà pouvoir accéder au fait de en faire une. Et puis que celle que j'ai pu faire plaise au lectorat, quoi. Donc c'est vraiment que du bon. Ouais, une première expérience qui est très très positive. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment hyper positive et du coup j'ai envie de continuer, quoi. Enfin, normal. Oui, il faut. Ouais. Alors, toujours Bigours, encore une question sur le fait que le découpage est souvent lié au scénario. Est-ce que l'œil nouveau en BD d'Aveline est déjà lié à l'animation, a offert une autre façon de voir? Bon, on a un petit peu répondu à la question puisque avec l'échange perpétuel que vous avez eu tous les deux. Oui, de toute façon, c'est de toute façon l'apport d'un autre artiste, quel qu'il soit, même si c'est un artiste qui vient de la BD, c'est un autre artiste de toute façon, donc c'est un échange complètement différent à chaque fois. J'ai mes trucs à moi, évidemment, j'ai mon style à moi, mais c'est vrai que ici le changement de format et le style d'Aveline imposait un nouveau challenge, quoi. Mais après, moi, j'adore les challenges, j'aime pas faire deux fois la même BD, donc c'est génial, justement, d'avoir quelqu'un d'autre qui te met dans une autre direction, c'est super, ouais. Alors, le prénom de ton héroïne, enfin de votre héroïne, elle, bon, c'est un palindrome. Alors, est-ce que dès le départ, tu avais décidé de l'appeler comme ça ou de choisir justement un palindrome? Oui, c'est entièrement voulu depuis le début. Le titre de la série et le prénom du personnage, c'était logique, que ce soit un palindrome, que ce soit elle, pour rester un peu neutre, justement, le fait qu'elle soit plusieurs, qu'on puisse mettre le S à la fin. Tout ça a été pensé. L'ennui, c'est que j'ai utilisé le prénom dans d'autres de mes BD et du coup, les gens croient que j'ai pas d'imagination, mais les prénoms, c'est ce qui est le plus dur. Sérieusement, en scénario, le prénom, c'est ce qui est le plus dur. Trouver un bon prénom, c'est hard. Alors, dès que j'en ai un, je le garde. Tu le gardes et tu l'utilises. Je l'utilise partout, bien sûr. Alors, Aveline, j'ai une petite question. Il paraît que des voisins t'ont vu courir dans la rue en train de te filmer. Est-ce que c'est une info ou une intox? C'est une info complètement vraie. Non, c'est vrai, mais c'est, comme je disais plus tôt, comme je prends beaucoup de photos références, pour le coup, ça, c'est une anecdote qui. Je devais courir et je voulais un angle de vue intéressant dans la course. Et forcément, dans ma maison, je ne peux pas faire 20 mètres facilement en courant. Du coup, je me suis filmée dehors et voilà. Et les gens passaient et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là à courir à son téléphone ?» Parce que je joue aussi mon personnage. Je ne me contente pas juste de courir. Je me mets dans la scène et je fais « Non, attends !» pour que ce soit plus crédible. et du coup, ils se demandaient vraiment quoi, c'était rigolo. Mais je pense qu'ils vont en voir d'autres, hein. Ouais. Bah, je n'ai pas envie de spoiler le tome 2, mais il y a des scènes, je vais devoir me mettre en scène pour essayer de me dépêtrer de ce que Kid me fait dessiner, quoi. Et des scènes, je vous jure, oh là là. Par exemple, des animaux. On a une autre question de Katia. Alors, est-ce que d'abord, tu peux répondre à cette question, Kid, est-ce que le personnage bleu est un alter trauma holder? Et est-ce que c'est pour cette raison qu'elle est enchaînée? Alors, en fait, nous, on ne parle pas trop du TDI dans la BD. On ne le cite jamais, en fait. On va jamais parler exactement des termes qu'on utilise dans le TDI. On parle plus d'adolescence que d'autre chose. Donc, je ne peux pas réellement répondre à ça, parce qu'on n'emploiera pas ces termes-là, de toute façon. Et pour le personnage bleu, je ne peux pas trop en dire non plus, puisque c'est le personnage principal du tome 2, et ce serait spoiler. Donc, du coup, je peux pas dire grand-chose, malheureusement, sur le personnage de bleu. Donc, je suis désolé, je peux pas répondre à cette question. Je suis vraiment en avril. En préambule, il était noté. Est-ce que tu peux répondre? Voilà. Ah oui. Je rebondis sur un peu sur ce que Kid raconte. On sert du trouble dissociatif de l'identité plus comme une métaphore, en fait, pas comme. Parce que le but, c'était pas d'exhiber ce trouble-là. On voulait pas le diaboliser non plus. C'était vraiment une façon, c'est un accessoire, si je puis dire, entre guillemets, pour permettre au plus de personnes possible de se retrouver dans le personnage.
qu'on soit atteint du trouble ou pas. Et je trouvais ça intéressant de travailler l'histoire sous ce prisme-là, parce que ça reste très ouvert. Et par rapport à Bleu aussi, du coup, je pense que c'est tellement... C'est, comme c'est pas défini, ça reste libre, et donc on peut s'en faire sa propre interprétation. Est-ce qu'on a envie de la relier à un trauma ou pas ? Ça, ce sera, à mon avis, interprétable par chacun à la suite des tomes. Voilà, je n'en dis pas plus. À la rigueur, je vais quand même répondre à Katia, parce que voilà, il faut que je le fasse, elle est recalée sur la question, donc je vais répondre quand même. C'est pas le trauma holder bleu. Voilà, ça je peux le dire. Oui, mais de toute façon, ça relève de, enfin, des deux niveaux de lecture, quoi, hein, puisque là, on est vraiment à l'intérieur, et c'est comme s'il y avait une aventure à l'intérieur de la tête de elle, tout simplement, quoi. Il faut le prendre un petit peu comme ça, je pense, et, ouais. Et voir comment ça se passe pour voir la prise de contrôle et comment ça se traduit au quotidien pour elle, quoi. Ouais. Enfin, je pense. Alors, c'est vrai que cette bande dessinée, elle est bon, plutôt pour les plus de 10 ans, mais je pense que même finalement les parents ou le public un peu plus adulte peut être intéressé par cette histoire justement pour comprendre peut-être certains comportements, puisque c'est lié au changement de personnalité au niveau de l'adolescence, quoi. Oui, et du coup c'est une question, c'est est-ce que ça peut aider les parents? Ben oui. Bien sûr. Et puis, ça rend les enfants intelligents aussi, donc il faut aussi le vendre pour ça. Je me rends compte qu'il me faut une deuxième BD que j'ai laissée à côté, je vais la chercher. Ah, oui. Attention, oui. Happening. Que va faire Aline? Je veux bien. Bah, finalement, elle va faire l'entrée. Elle a bien fait de répéter tout à l'heure, en fait. Hein. Si elle peut se faire remarquer, tu sais. Bon, et un petit suspense. Oui, bah, tu disais pour les adolescents, bah, je ne sais pas, c'est pas un manuel pour éduquer tes adolescents non plus. Hein. C'est un divertissement. Mais ouais, disons qu'on a tendance un peu à croire qu'on sait tout sur l'adolescence qui voilà. Eh bien, je t'ai perdu dans ma réponse. Tu as bien fait d'arriver. J'étais sobre de mon entrée. Vous avez vu, sobre. Oui. Je me suis retenue. Sobre, oui. Mais néanmoins élégante. Et c'est tout à ton image. C'est parfait. Voilà. J'enchaîne. Alors, on a encore une petite remarque de Martou Singstar qui dit Gaël Génier, le jardin, Paris, les fleurs de grand frère, expliquer la même chose pour dessiner. Elle joue ses scènes avec les dialogues et peut passer pour une folle pour un œil extérieur. Donc, pas de panique, Aveline, tu n'es pas seule. Non, je pense que clairement, je suis pas seule. Clairement, je suis pas seule. Et je pense que de toute façon, dans les artistes, il y en a plein qui font la même chose. Oui, et les scénaristes jouent leur dialogue en permanence aussi. Enfin, je pense que oui, malheureusement, on a beaucoup d'empathie, on doit se mettre à la place de nos personnages sans arrêt. Donc oui, on joue tout. Alors pour un extérieur, de fait, on passe pas pour des gens très sains d'esprit. Mais est-ce vraiment nous les gens d'un sain d'esprit? Ah, sur la question. Tout est une question de point de vue. Après, c'est vrai que quoi qu'il en soit, un peu tous les auteurs quand ils créent leurs histoires, donc mettent un peu de soi dans un peu d'eux dans les personnages. Donc on retrouve de chacun de toi, Akil ou d'Aveline dans chacun des personnages, en fait. Ah, évidemment, donc, ouais. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pas possible de faire autrement. Alors, Marie-Françoise Alain nous dit « Ce que j'aime le plus, c'est pouvoir avoir une place pour l'imaginaire vagabonder dans sa tête. » Et là, tous ces ingrédients semblent bien réunis. Un magnifique cadeau pour ma petite fille. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a des, il y a toute la partie imaginaire entre deux cases qui joue à fond, quoi. Puisque ça permet de se poser des questions et d'imaginer soi-même ce qui se passe entre les différentes cases, quoi. L'imaginaire joue à fond. Ok, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Tu m'embêtes avec tes questions qui n'en sont pas. Je peux pas répondre. Non, je te lisais le commentaire de Marie-Françoise Alain sur ce qu'elle pensait de la BD, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une part d'imaginaire qui est bien ancrée. Chacun y voit un peu ce qu'il veut aussi. Puis voilà, il y a rien de.
il n'y a rien de violent, il n'y a rien d'ultra racoleur, ça parle de l'adolescence principalement, et ouais, il y a de l'imaginaire, ouais. De fait, avec les mondes intérieurs d'elle, on part vraiment dans l'imaginaire. Quoi. Alors, si ce n'est pas un secret, en combien de tomes tu as prévu 42. 42. Tu veux aller au-delà de Magic Seven? 42 à peu près, parce qu'on a vu que ça marchait, alors on va pas s'arrêter. Non, c'est pas vrai, c'est 3. Il y aura 3 albums pour elle. D'accord. Donc, bon, là, tu as lâché un petit peu l'info, donc le deuxième tome sera plus centré sur la L bleue. Oui, tout à fait. Et puis, il y aura une résolution finale dans le troisième où elle meurt écrasée par un tram. Un tram, ouais, voilà. Vous avez vu, on a répondu presque en même temps, ça veut dire que c'est une information véridique. Confidentielle. Voilà. Alors Aveline, avec ce premier tome qui est assez donc époustouflant, hein, au niveau graphique, on l'a déjà dit. Hein, qu'est-ce que tu as envie de montrer dans le prochain? Qu'est-ce que tu as envie de... Dans le prochain, ce qui m'éclate beaucoup, c'est que on est dans les forteresses du sud, donc on est dans les mondes mentaux. Et je vais pouvoir beaucoup plus m'amuser avec les. Enfin, je m'amuse beaucoup plus avec les décors. Avec le fait de rendre ça un peu plus magique, parce que dans le premier tome on est beaucoup dans la réalité, on est dans des salles de classe, je souffre encore, on est dans des réfectoires et voilà, c'est pas très rigolo à dessiner. Que les mondes mentaux, ben c'est des mondes plus organiques, plus nature, et du coup ben ça permet plus de choses. Enfin, je trouve que c'est plus facile de se projeter dans la magie quand on a quelque chose d'organique comme ça, quoi, comme les décors. Donc, il y a encore plus de liberté. Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est plus malléable, c'est plus modulable. On peut aller dans tous les sens, en fait. Il n'y a pas de repères pour les lecteurs. C'est pas une salle de classe, tout le monde sait à quoi ressemble une salle de classe. On peut pas, enfin, à part si c'est le but de rendre une salle de classe complètement bizarre, mais là en l'occurrence c'est pas le cas, c'est censé être la réalité, donc je peux pas me permettre des folies, quoi. Donc ici avec les décors, c'est ça que j'ai envie de faire, plus m'amuser sur la folie là. Alors, une autre question de Martou Singstar pour Kid. Des scénaristes d'exception qui vous font acheter sans se poser de questions. Alors, je suppose qu'ils te demandent si... Quel scénariste j'achèterais sans me poser de questions? Alors, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Mais alors en premier, Kit Toussaint. Moi, j'achète tous ses albums. Attention, je pense que le bureau de Kid va tomber car les chevilles sont en train d'enfler. je ne lis que mes BD. Non, en vrai, Fabien Wellman, Olivier Boquet, il y en a beaucoup. Après, je n'achète pas tout à chaque fois non plus. Donc, je regarde ma bibliothèque, du coup. Hein, j'essaie de trouver des noms rapidement. Il y a beaucoup de gens morts, donc du coup, c'est embêtant. Il y en a plein, il y en a trop. Ozanam, qui j'ai des fois. Enfin, voilà. Wellman, je crois que c'est vraiment le scénariste que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celui dont j'ai acheté le plus d'albums. D'accord. Vous connaissez, hein, Fabien Wellman, c'est un auteur de BD assez connu, hein, il a fait des trucs. Hein. Oui. 2-3. Alors, Kenny Ruiz, petite remarque, wow kid, how sexy is this guy? C'est toi sexy, Kenny. You are sexy, Kenny. Bah, tiens, Aveline, j'ai ça dans Le Veilleur des Brumes. Voilà, ah, voilà. On parlait tout à l'heure, Le Veilleur des Brumes, oui. De Robert Kondo et Dissé Tsutsumi. Dai Tsutsumi. Voilà, c'est génial que vous avez parlé de ça et c'est apparu sur ton bureau d'un coup. C'est génial. C'est à côté. En fait, c'est dans ma bibliothèque qui est juste à côté. Donc, Il y a une petite souris qui a pu te la porter en mode comme ça. On t'achète. Ouais. Non, parce que sinon, j'allais dire, parle d'un million de dollars ou fais quelque chose. Quoi. Parle de, je sais pas, d'une Ferrari ou quelque chose pour que ça apparaisse sur ton bureau aussi. Quoi, tant qu'à faire. Ouais, je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche. Bien. Je pense à 1 million d'euros. Ah non. Il n'y a encore rien ici. Là. T'en as 5 à côté. Ouais, super. Mon dispositif de folie. Vous voyez ça, les gens? C'est mon dispositif de caméra. C'est une boîte. Et ça marche très bien. Avec une boîte et des Lego. Oui. Et c'est accessoirement aussi
mon support de test de marchandises. Voilà. Alors, une question de Bigours encore. Est-ce qu'une adaptation cinéma-animation pourrait être envisageable et est-ce que ça vous plairait à tous les deux ? Jamais de la vie. C'est hors de question. C'est dans notre contrat. On n'en veut pas. Bon, ça peut être envisageable, bien sûr, d'adapter en animation. Why not ? Si on trouve une chouette façon de le produire, c'est envisageable. Et ça quitte, ça te plairait, toi ? Oui, pourquoi pas. Mais adapter, c'est trahir. Alors, on sait que ce sera moins bien qu'en BD. Donc, franchement, c'est le moment d'acheter la BD, de dire ah, moi, je faisais la BD, c'est mieux. En tout cas, pour compléter la réponse, je pense que ça, on peut se le dire. Si ça devait arriver, je crois que, enfin, voilà, j'aimerais bien garder un œil sur la réalisation, la production graphique, quoi. Mm-hmm. Sur la réalisation de la Bible graphique et les décisions dirigées artistiquement. Et on veut aussi jouer la musique. C'est vrai que c'est on revient sur le Veilleur des Brumes, mais c'est vrai que ce sont les créateurs de l'animé qui ont fait l'adaptation du roman graphique, enfin de la série BD. Et c'est vrai qu'ils ont tout gardé, quoi. Ils ont gardé l'esprit et ils ont eu l'œil sur la BD. Le sens inverse, hein. Sont deux personnes qui bossent chez Pixar, donc l'anime, ils connaissent bien, quoi. Ouais, mais justement, s'ils ont fait la BD après, c'est que... Enfin, ouais, ça a été le sens inverse, quoi. Mais bon, c'est eux qui l'ont fait, donc ils ont gardé vraiment tout l'essence de l'histoire, quoi. Donc, ouais. Bah, effectivement, c'est pas toujours le cas quand c'est transposé de la bande dessinée à l'animation. Après, on a l'excellent exemple d'Arthur Depince pour Zombielennium. Ouais. C'est un choix, parce que ça demande un investissement complètement différent de faire un film, un long métrage d'animation, ça demande un temps fou et une énergie folle. Et c'est un choix, il faut pouvoir se le permettre, quoi, de faire ça. Mm-hmm. Donc c'est hyper courageux de la part d'Arthur. En même temps, ça fait sens. Mais c'est vrai que c'est triste de voir ton œuvre t'échapper comme ça et appartenir à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'autre s'approprier. Ça peut être génial à voir et ça peut être très décevant aussi. Donc c'est un choix. C'est clair. Bon, je. Pendant que, bon, on regarde s'il y a d'autres petites questions qui défilent, et pendant qu'Aveline finit la dédicace, le deuxième album à gagner, justement, on va demander à Kid de commencer à dessiner ce qu'il doit dessiner pour faire gagner justement la première dédicace qu'a déjà terminée Aveline. Ouais, voilà. Je l'ai fait en amont, hein, parce que je peux pas... Je ne suis pas aussi bricoleur qu'Aveline, j'aurais pas pu faire un dispositif aussi classe qu'elle pour filmer mon dessin. Donc je vais partager ce que j'ai. On va juste dire que le premier qui va deviner ce que Kid a dessiné va remporter donc la dédicace de Lynn que l'on a vue tout à l'heure. Donc ce sera un jeu de rapidité. Voilà. Donc si tu veux nous montrer ce que tu as fait. Ouais, Kid. On va essayer de voir comment ça marche. Hein. Tout à l'heure, j'y suis arrivé. Vas-y, je vais partage. Alors, il y a une autre... En même temps, pendant que tu trafiques ton écran, Martou Singstar pose encore une question. Est-ce que vous lisiez des BD étant enfant ? Si oui, lesquels ? Au moins, ça va être très simple. Non, j'ai honte. Pardon. Ouais. Je lisais peu de BD quand j'étais petite. J'ai lu les classiques, quoi. Et en fait, je ne me suis pas intéressée plus loin parce que le style ne m'attirait pas. Et c'est très con, hein, mais bon, voilà. Quand on est gosse, on ne réfléchit pas à plus loin. Et c'est maintenant que je commence en fait à me rendre compte du style qui existe, des styles tellement variés qui existent en BD. Et je me dis, mais purée, quoi. J'ai perdu tellement de temps à passer à côté de tellement plein de choses super cool. Et c'est maintenant que j'en lis. Mais comme je suis toujours un enfant, ça va. C'est bon. Ça va, ça tourne, ouais. Alors, Kenny Ruiz qui pose alors une question en anglais que je vais essayer de traduire. Mais bon, je pense qu'on a un petit peu répondu. Tu as déjà un petit peu répondu à cette question. Donc, il demande si tu as vraiment trouvé toutes les solutions pour les différents aspects de tes protagonistes, des personnalités de tes protagonistes. Il demande si tu as beaucoup travaillé avec l'acting pour justement mettre en scène tout ça.
si tu as tout planifié ou si c'est justement si tu es guidé par ton instinct. Donc, bon, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu as une question pour moi? Oui, c'était ça. Ah, super. Ah, j'adore ce truc. Ta traduction était bonne, Stéphane. Tu peux la refaire. Elle était super. C'était pas mal. Non, j'ai Kenny Ruiz qui disait que tu avais résolu tout. Enfin, tu avais vachement bien, adapté, abordé tous les aspects de toutes les personnalités des personnages. Et il demandait si tu avais beaucoup travaillé sur l'acting, justement, pour mettre tout en place, si tu avais tout planifié, ou bien si c'était. Si tu faisais par instinct, quoi. Mais c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, bah oui, bah du coup, enfin, je les joue. Je te laisse répondre en anglais, par contre. I play my characters, but it's pretty spontaneous anyway. Ça va comme ça? C'est parfait. Your accent is as good as Kenny's one. On joue. Je pense que c'est spontané de toute façon parce que quand on le joue, on va chercher quelque chose de naturel en nous, qui est propre à nous. Et donc, quand on retraduit un acting, forcément, c'est plutôt naturellement qu'on le fait. Enfin, je crois, je sais pas. C'est une phrase de Marlon Brando, ça, non? Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Si. On dirait que c'est de l'acteur studio en plein. C'est bien. Voilà. C'est le cours Florent. C'est le cours Florent. Vas-y, donc. Vas-y, Kid. Ah oui, ouais. Alors, il y a François Aouya qui dit que le dessin d'Aveline fait d'ailleurs penser à Zombilennium. C'est la même chose. Donc, pas de contour, de nouveau, à plat de couleur. Pas de contour, c'est ça la différence. Une source d'inspiration. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi? Bon, je pense que tu as fait pas mal de travail en autodidacte et pour trouver ton style. Est-ce qu'Arthur Depin, c'est une source d'inspiration pour moi? Ouais. Pas vraiment. Je connais son travail, mais c'est pas spécialement une de mes influences graphiques, en fait. Puisque mon influence... Sauf s'il nous regarde, alors oui. Alors oui, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais comme je lisais peu de BD et que j'étais fort dans l'animation, mes influences viennent plus de l'animation. S'il nous regarde, rien contre toi, Arthur. mais je comprends qu'on associe aussi le. Ouais. De dessin avec celui d'Arthur Depince puisqu'il n'y a pas de contour. Donc, ouais. Tout à fait. Alors Kid, est-ce que tu es décidé à nous montrer Mais je l'ai partagé, mais elle n'apparaît pas, vous ne l'avez pas vu? Je l'ai partagé, non. Non. Ah, voilà. Ah. Ça, c'est la première, ok? Oui. Ça, c'est pas évident. Hein. Là, tu mets la barre très très haut. Hein. Je vais en mettre une deuxième, hein. Je vais en partager une deuxième pour essayer de vous aider encore un peu plus. Alors, il faut juste que je trouve le bon. Alors, Harry Potter. C'est un petit bonhomme patate avec un bâton. C'était Harry Potter. Alors, je veux bien qu'on rigole, mais je ne veux pas qu'on se moque. Chacun fait ses outils. Mais tu t'es donné. Oh. Attends. Ah, oui, j'étais professionnel ou je ne suis pas. Hein. Donc, alors. Je continue Continue, parce que pour l'instant, on me propose Harry Potter, okay, magicien. C'est pas ça. Alors, attendez, j'en partage une autre. Jon Snow. Nicolas. Non. C'est celui-là. Benoît Marchand qui dit un instituteur avec sa règle pour les mauvais élèves. Ça pourrait, ce sont mes personnages préférés. Avatar. Attends, tu peux jouer toi ou pas? Non, je donne les réponses que me réponses, dans les commentaires. Donc j'ai Bigours qui dit Avatar. Ah, on se rapproche, il y a un truc en commun là, ouais. D'accord. Alors, un elfe, non. Julien qui propose Aquaman. Alors, attendez. Je vais voir si je peux. Non, c'est pas Aquaman. Je vais vous donner un gros indice là. Ah. C'est parti. Ouais, facile là. Un grand bonhomme comme ça, bleu. Eh ben. C'est pas Avatar, mais c'est pas loin, hein, mais c'est pas ça. Attends, ça dépend de quel Avatar on parle. Hein. Non, c'est pas Avatar. Moi, je veux vraiment qu'on soit précis, par contre. Hein. C'est vraiment
quelqu'un de grand et de bleu, quoi. Vous l'avez pas? Alors bon, le pseudo est attention, le pisser sur la flamme propose un schtroumpf guerrier. Ah, ouais, on y est presque. Allez, je vous donne le dernier. Le grand schtroumpf. Ah ben bah, c'est Bigours qui a gagné. Ah ouais. C'était le grand schtroumpf. Attends, j'ai pas fini. Hop. C'est long. Voilà. Ah oui. Ah ouais. Quelqu'un de grand et de bleu. Bon alors juste rapidos, je remercie Jofo qui a fait ses dessins en fait. C'est mon dessinateur de poche. À chaque fois qu'on me demande de dessiner, c'est lui que j'appelle en urgence et je fais mon Jofo signal dans le ciel et il arrive. Non. Alors vous verrez dans tous les. Tu as un peu triché donc. Tu as un peu triché. J'ai fait mon métier qui est de demander à quelqu'un d'autre de plus bête que moi de dessiner. C'est juste ça. De plus bête que toi. T'es sûr de vouloir dire ça? Bon. Mon grand privilège, c'est d'avoir des idées un peu idiotes et de demander à des gens de les faire et de me montrer que ça marche. Et c'est ce qu'il a fait, Jofo, et c'est ce qu'il fait à chaque fois. Donc, allez voir son travail. Il travaille chez Marvel notamment et c'est vraiment un super dessinateur. Bon, en tout cas, bon, il a joué le jeu. Mais, bon, pisser sur la flamme te dit escroquerie. Tricheur. Moi, j'ai le droit de dessiner de ma main gauche. Donc, être un escroc chanceux. Donc, ce serait Bigours qui aurait. Qui aurait donc la bonne réponse. Bien joué, Bigours. Bien joué, Bigours. Et Auraline. Voilà, mais on attend. On attend quoi? Alors, soit Aveline, tu finis la dédicace un peu plus tard. Ouais, bon, en soi, j'ai fini, j'ai les cheveux à colorer. On admire ton style. Admirer. C'est un peu flou, mais bon. Non, c'est très bien. On voit très, très bien. Ah ouais? Bon. Ouais. C'est un peu flou. Voilà. Donc là, si je comprends bien, ça va être à mon tour de dessiner la main gauche. C'est à ton tour de dessiner, mais alors tu tricheras pas comme Kit, s'il te plaît. Ah ben non, ben moi. De ta mauvaise main. J'ai un visu. La main gauche. Je peux pas tricher. Il y a un visu. N'allez pas faire une tour en Lego. Tricheur, quoi. Alors ça, c'est même pas une insulte pour moi. Ça me va tellement bien. Tu sais, à la fin, il y a mon nom sur la couverture, hein, je m'en fous. Je ne cherchais pas à t'insulter, voyons. Je ne suis pas si mauvais esprit que ça. Ah ben, j'ai fait bleu. Ça se voit que c'est bleu. Comme les Schtroumpfs. Comme les Schtroumpfs. En fait, voilà, j'ai eu la petite influence. Voilà. Yep. Il faut que je prenne un papier. Ouh, ma table est très sale. Je vais chercher une petite feuille pour dessiner de la main gauche. C'est parce qu'elle mange salement. Elle adore faire des entrées. Des entrées et des sorties, ouais. Avine, c'est super. C'est super. Oui, exprès. J'en reviens tout de suite. Alors, ça nous laisse le temps d'admirer justement l'illustration d'Aveline qui est sur le côté gauche de l'écran de la L bleue, enchaînée. Très chouette d'ailleurs. Ouais. Alors, le choix justement d'introduire la L bleue d'entrée. C'est con, hein. Ah oui, c'est con. Bah, je suis d'accord. Non, je n'allais pas dire ça. Tu peux rentrer, Aveline. Je peux faire l'escalier si vous voulez. C'est un escalier, t'as un mauvais architecte, visiblement. Il est pas au courant au niveau des marches. T'as vu? C'est pour ça, je ne l'ai pas payé, je crois qu'il m'en veut. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ok. Allez. Bon. Ah oui, tu vas dessiner de la main gauche, oui. Mais je crois que ton écran est inversé, de toute façon, tu pourrais dessiner de la main droite et faire croire que c'est la gauche. Je te donne un petit tuyau d'escroc. Ah, petit coquin. Attends. Je suis soufflé, j'ai couru. T'as couru où? Alors, je réponds à Caroline Dubos qui demande est-ce que vous savez déjà combien de tomes vont sortir? Eh bien, on l'a déjà dit tout à l'heure, donc c'est 3 tomes. Ouais. 3 tomes avec un second qui donc sera axé sur la L bleue.
qu'on voit dès la première planche. Il n'y aura pas que elle, hein. Il y aura comme dans le premier, il y aura d'autres personnages et les autres personnalités. Et puis, mais c'est vrai que le nœud de l'intrigue sera sur elle, bleue. D'autres personnalités, attends, tu nous piques sur le vif là, d'autres personnalités chez elle ou bah, celle qu'on a déjà vue, il n'y aura pas que bleu, ce ne sera pas un One Woman Show dans le tome 2, quoi. On verra aussi Rose et Blondie et Châtain. D'accord, on reverra tout. Ouais. Je suis prête. Toute la diffusion des rôles. Je te réponds, Stéphane, le coup de bleu en première page, oui. Il fallait introduire une question en fait, et il n'y a que bleu qui pouvait le faire, introduire cette question là. Donc, il fallait qu'on commence le bouquin par une question. Et la question, c'est bleu. Mais je t'avoue que quand on sait la couverture avec les cinq personnalités et de montrer dès la première page qu'il y en a une sixième, voilà, c'est un peu... Ouais, ça déstabilise un petit peu. C'est vrai que oui, effectivement, ça met le doute, quoi. Mais c'est bien voulu et c'est bien inconscient, donc voilà. Ok. C'est parti, Abline. Vas-y, Abline. Oui, attendez, j'ai la pression, quoi. Ah, pardon, je continue à parler, alors. Non, mais en même temps, vous allez vous taire pendant que je dessine. Non, il va citer les propositions des gens. Bah, bonne chance, hein, avec ma main gauche. Tu peux jouer, moi, ou pas? Parce que moi, je n'ai pas de dédicace d'Aveline, en fait. Non, David Taco a essayé aussi. Non, on ne peut pas. Non, c'est pas possible. Ah, il voulait gagner une dédicace de Dimitri Armand. On lui a dit non. Mais en plus, on voit rien. On voit rien, les gens. Attends. Alors, il y a une question de Julien qui dit, bon, trois tomes et le troisième sera divisé en deux parties. C'est drôle, cette question. Ça m'amuse, parce que c'est ce qui s'est passé sur Télémac. Normalement, il y avait le troisième, c'était le dernier, et j'ai dû faire un quatrième. C'est aussi ce qu'ont fait d'autres auteurs. Dimitri Armand, également, pour justement Le Convoyeur, c'est prévu en quatre tomes. Le troisième était trop dense. C'était trop dense, ouais, ben ça m'arrive souvent dans ce que je fais. Et sinon, le 3, je suis en train de l'écrire et ce sera bien le dernier. Je suis bien dans les rails, tout va bien. D'accord. C'est une catastrophe. Et si les gens ne trouvent pas, on fait quoi? On va donner des indices. Tu donneras des indices, puisque là, Moi, je l'ai, hein. Bah, tu vas donner des indices si toutefois on n'a pas de... Alors donc Caroline Dubos dit c'est un personnage déjà. Oui, bravo. Bien joué. On est bon là. Oh là là, c'est horrible, j'ai envie de faire des gestes avec ma main droite. C'est atroce. Après, si les gens trouvent trop vite aussi, trouvez pas trop vite, hein, sinon ça va pas être rigolo. Je crois pas, Aveline. Avec tout mon optimisme, je suis pas sûr. Oh, c'est horrible en vrai. Alors, Julien dit la mouche, vu la petitesse du dessin. Ah oui, je suis désolée, c'est la caméra est loin. La caméra est au troisième étage. Oui. Ah. Puis c'est sur la flamme est en forme, il propose Boba Fett. Même Boba Fett, il fait un jeu de mots. Ah oui, Boba Fett, oui, en plus, oui. Ouais. Pascal Boulay, une fille, oui, c'est ça, mais. On est dans la bonne direction. Oui, c'est la bonne direction. Linotte, non, Benoît Marchand, non, pas Linotte. Ce sera pas un personnage de L. Ce sera pas un personnage de L, c'est un personnage d'autre. Ah, Camille, je pense à trouver. Ouais. Lia, c'est ça? Oui. Bon, ben voilà, donc suspense, tu vois, finalement, tu as très bien dessiné de la main gauche, puisque Camille a trouvé, j'ai même a pas trouvé la réponse directe, donc c'est Lia, effectivement. Et du coup, ça se demandait si Justine Kuna ne dessine pas de la main gauche. Parce qu'elle a trouvé aussi. Ouais. Bien plus beau que moi, ce qu'elle fait là. Ah, évidemment, mais elle a quand même reconnu assez facilement Camille Kemn ou Semn. Semn. Bah, ceci dit, c'est vrai que c'est identifiable. Hein. Attends, je termine, je veux finir. 3 jours plus tard. C'est une grande mèche. Oula, non, le coup là, ça va pas du tout. Hop. C'est horrible de la main gauche. Magnifique. Hop, ce sera gagnant dédicace. Voilà. Vous pouvez avoir le dessin de Lia dessiné de la main gauche. Oh ben moi, je le veux bien. Hein. Bah oui, parce que bon, je pense que même si je prends, si je dessine de la main droite, j'arriverai pas à un aussi bon résultat. Oh, c'est une catastrophe. Ça vient. Ça vient de la couverture du 2. Oui. C'est là-dessus que tu te bats. Ouais, ok. Voilà.
On reconnaît quand même, hein. Alors, Julien dit non, c'est cool, la main gauche, parole de gaucher. Donc, ah bien. Oui, je dis les gauchers, et c'est, j'aime bien leur façon, leur gestuelle de gaucher, j'aime bien. Mais par contre, quand on n'est pas habitué, c'est chaud. Voilà. Si Justine nous regarde, mais je ne crois pas parce qu'elle tape tellement tout le temps, tu m'excuseras, Justine. Ah, Pascal Boulet dit, je peux avoir ce croquis. Franchement, Ah, bah oui, c'est pas mal. C'est toi qui vois, hein. Voilà. Ouais, c'est quand même. On reconnaît bien. Bon, là, c'est la couverture du 3 que tu viens de montrer, mais elle est superbe, hein, la couverture du 3, j'aime beaucoup. Moi. Mais la couverture, ça, c'est bien la couverture du 2. Ouais. Bon, et voilà, donc nous avons nos deux gagnants de l'émission. On va leur demander de bien penser à nous donner leurs coordonnées en message privé. Aveline et Kid, ben, je vous remercie donc d'avoir répondu à toutes ces questions. Et aussi, Dimitri Armand qui fait un petit coucou. Stylé, tu devrais essayer de travailler de la main droite. J'y penserai. Il vient se venger. Et là, ouais. N'empêche que je voudrais dire qu'on a reconnu, les spectateurs ont reconnu l'IA sans la chaise roulante et je trouve ça incroyable déjà, ouais. C'est déjà très bien. Ouais, c'était sans très gimmick. Bien. Mais pareil, dans l'IA, je pense qu'ils n'ont pas voulu exhiber la chaise roulante, c'était pas leur problème. Tu vois, quand j'ai dessiné un schtroumpf, je l'ai fait en bleu, tu vois, je l'ai pas fait en vert pour dire je veux pas exhiber la couleur bleue, tu vois, t'aurais pu le faire, tu l'as pas fait. Donc c'est bravo et bravo au spectateur qui a trouvé, à Camille, c'est ça, Camille qui a trouvé. Oui, il y a Camille et Bigours. Question bête, comment vous envoyez les coordonnées? Alors je pense que Quentin et Lucille en backstage vont répondre à cette question, mais donner le mail pour envoyer les coordonnées. Voilà, donc Aveline, Kid, merci d'avoir répondu à mes questions, aux questions des internautes. Voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop traumatisés par le dernier exercice de style et ce jeu. Voilà, en tout cas, c'était très très agréable de vous avoir en direct et de pouvoir échanger sur cette super série qu'est Elle, dont on attend le deuxième tome, bien sûr, avec impatience. Voilà, et quant à nous, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle émission de la capsule du Lombard avec de nouveaux invités. D'ici là, passez un bel été, en espérant que le temps s'arrange un petit peu sur les différentes régions où, en ce moment, il ne fait pas très très beau. Voilà, j'espère que vous allez avoir un peu de soleil, un peu moins d'eau chez vous, ce serait cool. Voilà, merci. Merci. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bye.